Nous venons d'apprendre qu'il y a eu une irrégularité qui peut être même pire que ça. Nous venons donc de saisir la commission indépendante pour qu'elle contrôle la première circonscription des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire celle de M. Ciotti, qui est le directeur de campagne de François Fillon. Selon vous, on a triché ? Bah écoutez, on vient d'avoir le constat qui nous dit 1178 enveloppes trouvées dans l'urne pour les deux candidats et 590 émergements. Sauf à ce qu'on soit en os de canard et qu'on fasse la multiplication des petits pains, ça me semble difficile de pouvoir imaginer autre chose qu'une irrégularité. Donc nous nous en remettons bien évidemment à la commission indépendante. Mais si cette irrégularité est confirmée, nous demanderons l'annulation du scrutin dans cette circonscription des Alpes-Maritimes. Et nous demandons solennellement à M. Fillon, qui est un homme de grande qualité, qu'il mette un peu d'ordre dans son équipe, puisque c'est son directeur de campagne qui est titulaire de cette circonscription.